j'essaie de commencer quelque chose. Parce que je serai là pour le... Aucun prix est trop élevé quand tu... J'ai sûrement ce qu'il te faut. L'aimer. Fais gaffe à toi dehors. Si t'as besoin de crédit, va voir le tableau des missions au noyau. On trouve sûrement de bonnes affaires ici. À condition d'ignorer les taches de sang sur la moitié des marchandises. Regarde ce qui t'intéresse.
T'as terminé. Comme tu veux. Trop de missions, trop pas bien, de temps. Fais vite. J'ai des plans. Ok, c'est pas comme ça. Oh, d'accord, salut. J'espère que mes prix sont peut-être élevés, mais... Je suis toujours prête à vous soulager de quelques crédits. Je crois qu'on va... Tant que vous avez des crédits... Revenez me voir bientôt. L'autorité commerciale prend tout et voyons voir ce que nous avons là. Je suis toujours à la recherche. Thank you.
Si vous trouvez quelque chose de valeur, apportez-le-moi. Plus vite on rejoindra Monta. À la prochaine. Si ça vous dérange pas, j'aimerais... Qu'est-ce que vous m'apportez ? Les bureaux de l'amiral Logan devraient pas être très loin. Allons-y. Besoin d'un verre ? Box sera ravi de prendre des crédits au reste. Des câbles nus, quelques traces de rouille, une décoration vraiment unique en son genre. Besoin de quelque chose ? Ces matériaux ne se vendent pas tout seuls. La flotte protège les siens. Mais retourne-toi contre nous, et tu feras pas de vieux. À ce rythme, je serai à court de matériel. Dites-moi que vous m'avez... Tout est là... Je ferai peut-être appel. Je dois juste... Je m'occupe de vous. Les requins nous craignent trop pour prendre la clé.
C'est incroyable. Major Shannon, Docteur Walker. Je vous attendais pas en si bon état, Kaiser. Nous devrions rapidement restaurer toutes vos capacités. C'est une bonne nouvelle. On m'a parlé d'une nouvelle menace. J'aimerais en savoir plus. Percival vous donnera tous les détails. Et je vous habillerai pour l'occasion. L'occasion? Où allons-nous? Londinion. Londinion. Docteur, je requiers des armes supplémentaires. C'est l'idée. Allons-y. Capitaine, vous venez avec moi. Je vous fais le topo de ce que nous avons prévu. Le défi qui nous attend est immense. Les Omnimorphes peuvent être n'importe où. Les trouver et les éliminer nous-mêmes n'est pas une option. Mais s'il existait un moyen de faire le travail par d'autres que nous, je vais vous expliquer notre raisonnement. Il fait bien meilleur dans le vaisseau. On ne devrait pas rester trop longtemps dehors. Vous vous rappelez des créatures dont nous avons discuté avant votre arrivée sur Nihira? Les dévoreurs d'orimorphes? Les Acelles? Apparemment, il s'agissait de limiers à orimorphes. Mais lorsque Lucé a subi une pénurie d'aliments synthétiques pendant la guerre coloniale, les Acelles ont servi de nourriture de substitution. Nous pensions qu'ils avaient complètement disparu. Mais nos données montrent que l'équipe de recherche avait localisé quelques spécimens survivants. Comme vous pouvez le voir, nous proposons de les réintroduire dans la galaxie. Nous pouvons en élever une population, les envoyer sur les mondes humains et laisser faire la nature. À l'aide d'une méthode perfectionnée par des milliers d'années d'évolution. Nous pourrions accélérer le processus de reproduction grâce aux mêmes technologies que celles utilisées pour me créer. Nous pensons même qu'avec un peu d'observation supplémentaire, nous pourrions utiliser les compétences de traque des Acelles pour identifier la méthode de transmission des orimorphes. Découvrir comment l'humanité leur a permis de se répandre et mettre fin à leur menace une fois pour toutes. Je pense que ça pourrait vraiment. Il existe une autre solution pour éradiquer les orimorphes de nos mondes. C'est plus rapide, peut-être même plus efficace, mais plus risqué. Un microbe. Nous pourrions le diffuser sous forme d'aérosol, le laisser se répandre et éliminer toute trace d'ADN d'orimorphes, ce qui inclurait aussi bien les morphes que leur mode de transmission. Cela demandera du temps pour la mise au point, les tests et la distribution, mais aucune méthode ne lui arriverait à la cheville en efficacité, pas même les Acelles. C'est aussi mon avis. Dans tous les cas, c'est un projet de longue haleine, et toutes les options. Nous pouvons créer rapidement ou renforcer les capacités de traque de notre micro. Ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve. Nous pensons tous les indicateurs. Il s'agissait de la plateforme principale de préparation des Acelles pendant la guerre coloniale. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, les données concernant les orimorphes suggèrent que les Acelles seraient originaires de cette planète. Ce qui signifie que leur proie, à savoir les orimorphes, pourrait vraisemblablement venir de la même planète. Ce qui expliquerait également pourquoi personne ne soupçonnait que c'était le monde d'origine des orimorphes. Les Acelles les éliminaient trop rapidement. Cela explique également pourquoi, après la disparition des Acelles, leur multiplication a été si catastrophique. C'est probablement à Londinion que l'histoire des orimorphes commence. Et qu'elle se terminera. C'est exactement. Lucé dit : nous avons la permission d'y accéder. Je vais aider Perse. Mais vous devez savoir. La base nous fournira.
impressionnant, ce centre de recherche. Les diables ardents ne regardent pas à la dépense en ce qui concerne. Quelle tristesse qu'il ait fallu rouvrir ce complexe. Mais on ne peut pas ignorer le fait que les Orimorphes ont fait surface. Bon. Ah. Je suis pas fan. Ma sœur et ses ans. Le fait que Lucé est de... plutôt que de distribuer. Mais, vu la... Donc... Ouais. En tant qu'être humain, toujours utile. Alors, qu'est-ce que vous vouliez ? Il n'y a pas plus fiable dans toute la... nourrir une petite plaine. Vous en faites pas. Si ça vous dérange pas, j'aimerais parler à l'amiral Logan au plus vite. L'équipage est au complet. Nous sommes prêts au départ. Vaisseau, votre attention. Vous entrez dans une zone dangereuse. Répondez. Ce monde n'est pas accessible.
site d'atterrissage dégagé. Comment y faire avec les verrous? Thank you.
je vais le moins souvent et le moins longtemps possible en ville. C'est trop risqué. Hello. J'ai pas le temps de bavarder. Ouais. Quoi ? Satisfaisant, vous ne trouvez pas ? Correspondez à la description. Mettez toutes les chances de... Si ça vous dérange pas, j'aimerais... Vous avez quelque chose pour moi ?
Les bureaux de l'amiral Logan ne devraient pas être très loin. Allons-y.
Bien. Maintenant, donnez tout ça à Kaiser et partons d'ici. Major avec moi, Benji et Maulka que j'ai gardé du coup, Sarah et Robo. On va y arriver. On va y arriver. Sans les 4 rouges. Kaiser, cette plante, c'est une lazarée, n'est-ce pas ? Affirmatif. Personne n'avait jamais marqué qu'il s'agissait d'un organisme vivant, jusqu'à ce qu'on aperçoive ses cellules au microscope. On la cultive uniquement sur Londinion. Oh, quelle beauté. Espèces de sangsues. Qu'est-ce qui leur permet de survivre au froid? Nettoyez bien tout ça avant de le mettre dans votre sac. Possible de ce truc. Regardez ça. Une lazarée en fleurs. Vous savez, rares sont les personnes qui... Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Capitaine, vous voyez ce que je fais ? Des orimorphes. Mais... non, c'est impossible. Les calovores, elles sont absolument partout. Ça veut dire que les orimorphes... Bah oui, ça veut dire ça. Bon, pour la semaine, je vais aller pisser pour la semaine. Oh, c'est atroce. Je reviens. Thank you.
Bon, les zoos, on y repart. Bon, au moins par rapport à avant. Ce qu'on sait, c'est que... Vous avez vu ce que j'ai vu? Ces calovores? Les calovores? Allez. Ah, ça. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais s'ils partagent le même génome, comme la plupart des nymphes et des adultes, le microbe devrait être capable de gérer aussi bien les calovores que les orimorphes. Les acelles, il va falloir se pencher sur la question, mais vu ce qu'on sait sur ces bestioles... C'est le cas de le dire. La Lazarea... Mais ça veut dire... Nous pourrions dis... Oh non... Moi non plus. Nous n'en aurons jamais le cœur net si on n'en prélève pas un échantillon sur cette chose. Attrapez-le! Nous pouvons avancer. C'est parti! Métamorphoses sur ces mondes ont dû être... Capitaine, vous... Je pense que quelqu'un a dit... Une arme biologique, donc. Le genre d'idée qui empêcherait. Ça me paraît le... Dossetti était sûr. Tout ceci dans... Quant au moment où... Ça ne peut pas être... Ces attaques... Je suis d'accord.
qui pourrait qu'on se voit. Gardons cette distance. Si nous voulons empêcher de nouvelles attaques. Reçu. Kaiser. Lordsvig parle. Un œil. Kaiser, en attendant, essaie de trouver un autre moyen d'ouvrir ça. Compris. J'ai restauré l'alimentation de la porte. Vous pouvez continuer. Travail.
Mais le cul le blabla là. Tu bosses là. Oh, on est 4 hein. Il y a pas de problème, mais je vais essayer de faire le truc que j'ai réussi à faire. Vous n'avez rien à couvrir. Vous avez ma parole. Transcription terminée. Copie physique disponible. Une arme invisible. Il savait. Il connaissait l'effet de la Lazarée. Prenez cet enregistrement. On parle. Faevictis a détruit cet endroit. Il a compris le potentiel mille. Il a tué ces gens. C'est faux. Moi aussi, j'ai dit. Qui a choisi de sacrifier? Mais j'imagine. Seulement, il a eu. Exactement. Allons-y. Kaiser, vas-y, essaie. C'est parti mon kiki, on va chier. Alors, premier objectif, on court là-bas. Bon voilà, c'est pas chier, on va couvrir l'autre. Thank you.
Allez, zou. Merci, papa. C'est parti. Pas des troupes. Plus un bord de fréquence. On les a libérés et ils nous aident. J'ai encore de la réserve. Allez à la prochaine parabole. Ah, fais chier. On l'a eu ? Oh bon, on l'a eu. Ils sont trop forts mes bonhommes en fait. C'est ça quand vous jouez en mode assez simple. Et que en fait vous avez 4 bonhommes avec vous. Maintenant, confiez cet échantillon à Kaiser et c'est fini. Il est un beau gars, ça. Salvette. Kaiser. Dernier échantillon prélevé. Allez, c'est fini. Il est temps de mettre les voiles. Percival, déconnecte-toi. Trouve un endroit où on peut parler en privé. Je m'en occupe. À très vite. Tu crèves tout seul, plus petit. Ça fout de quoi. Je ne peux pas l'affirmer avant d'avoir. Ça paraît plus simple. Oui.
Mais on pourra rien faire de tout ça sans les... Ah. Ma connexion était pas très... Il semblerait, oui. Okay. Mais il est certain que quelqu'un... Capitaine, nous devons... Mais, entre-temps... Si j'étais à votre place... Merci, capitaine. Lorsque vous aurez... Ils voudront sûrement... Faites attention. Heureusement que j'ai un gros stockage, hein. Alors...
dirait que puis-je faire pour vous ? Bon voyage. Si ça vous dérange pas, j'aimerais parler à l'amiral Logan au plus vite. N'hésitez pas à m'aider. Les bureaux de l'amiral Logan ne devraient pas être très loin. Allons-y. C'est votre estomac ou le mien ? C'est une belle journée pour être en vie. Ça me permet d'aller pisser un bon coup et de boire un coup. Réintègre le monde terrestre. Bah, ça va. Mais ça irait beaucoup mieux si... Laisse-moi deviner. Tu irais beaucoup mieux si tu avais plus d'argent.
en pleine forme. Alors, bon, on fait où? Dans le territoire de l'UC. Amarrage à la Cille Tanière. Autorisation d'amarrage accordée. Bienvenue dans l'espace de l'UC. UC. Union coloniale. Coloniale, colonie, colonisation. Hein, on se comprend ? Parfait. C'est l'endoctrinement, là. Réfléchis aussi au terme. Vaisseau spatial. Vaisseau, ça fait penser à la mer. Mais c'est dans l'espace. Et c'est des écoutilles. Je vais prendre mon poste. Inspectez votre vaisseau à la recherche. Cette station est plutôt délabrée. Besoin de quelque chose. Je me demande si l'UC lui rendra un jour son ancienne gloire.
J'aurai quelque chose pour vous quand vous aurez un moment. Attention, vous entrez dans l'espace de l'Union coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Attention, vous êtes sur la liste des criminels recherchés. Répondez immédiatement ou nous serons obligés d'ouvrir le feu. Vous êtes sur la liste des personnes recherchées.
Arrêtez-vous et laissez-nous aborder, ou nous devrons ouvrir le feu. Compris. Restez avec nous, on va vous escorter. Ça va encore, 350 crédits par rapport à la fois dernière où j'ai payé 262 000. Hein ? Ouais. Et en plus, il n'y a plus aucun objet. Hein. J'ai tellement hâte de retrouver Tony après. Une chose après l'autre. D'abord, je veux voir si vous êtes quelqu'un d'aussi malin que vous le paraissez. Alors, pourquoi quelqu'un comme moi se donnerait-il autant de mal ? Vous avez mis le doigt dessus. Les attaques visaient à rectifier quelque chose. Quand j'ai découvert la plante, j'ai sérieusement envisagé de partager mon savoir. Mais nous étions en guerre. Et je ne pouvais pas risquer que des informations si dangereuses tombent en de mauvaises mains. Alors j'ai ordonné le bombardement du port spatial de Londinion. Faisant ainsi d'une pierre deux coups, mettre un terme à l'invasion des orimorphes et faire disparaître toute trace du potentiel de cette plante. C'était les derniers jours de la guerre coloniale, capitaine. La Confédération Liberastra avait ses espions partout. Si la nouvelle se répandait, je craignais que la Confédération ne s'empresse de cultiver la Lazarée et inonde nos planètes de meutes d'orimorphes. Exactement le sort qu'était en train de subir Londinion. Isoler la ville pour prévenir des millions d'autres morts. C'était l'unique option qui me semblait viable sur le moment.
Précisément. Dans ce contexte, je ne pouvais ajouter une nouvelle variable dangereuse dans une guerre déjà catastrophique. Mais ensuite, quand la guerre a pris fin, mon procès, mon exécution, j'ai pris une décision. J'avais tout sacrifié pour l'Union, y compris ma vie telle que je l'avais menée. Et qu'avais-je obtenu en retour ? Lucie a-t-elle consenti au moindre effort pour préserver mon héritage ? Et celui de ma fille ? Non. Nous avons été abandonnés en dépit de notre loyauté. Alors j'ai puisé dans mes connaissances pour orchestrer les attaques et rectifier la situation. Ma fille est devenue une héroïne. Moi, je suis devenu un conseiller estimé. J'ai trouvé Kaiser, l'équipe de recherche, et j'ai consolidé ma nouvelle position influente en donnant le nom de la personne responsable de l'attaque sur New Atlantis. Le regretté docteur Reginald Orlaz, l'associé qui m'a aidé toutes ces années, et à qui j'ai toujours eu l'intention de faire porter le chapeau. Heureusement, il fut arrêté avant de pouvoir nuire davantage. Des décennies de cavale auxquelles un héros improbable, vous, mit un terme. C'est quand vous voulez. Souvenir de toutes vos victimes. Hein. Orlaz est la personne que vous avez tuée à proximité de la lune des Terrea. Le pilote du Warlock. L'homme que je vous ai demandé d'éliminer pour garder mon secret. Ce n'était pas simple. Mais l'avantage quand on vous déteste, c'est que les gens feraient tout pour ne pas avoir affaire à vous. Ils préféraient ignorer mon existence et j'ai tiré parti de cet angle mort. Même si établir le contact avec Orlaz via les équipes de récupération de l'UC s'est avéré complexe, j'ai mené des campagnes moins stressantes. Il croyait appâter des criminels recherchés, mais en réalité, il livrait des tablettes codées contenant des instructions que seuls leurs destinataires pouvaient lire. Perdu pile au moment opportun pour qu'elles tombent entre les bonnes mains, sans que l'UC ne suspecte à qui ils avaient réellement affaire. Un travail de longue haleine, mais qui a porté ses fruits. Pourquoi je voudrais m'attirer les bonnes grâces des personnes qui contrôlent chaque aspect de ma vie ? Je ne sais pas, capitaine. Peut-être que je rêve encore d'une vie hors de ces murs. Il me faudrait un autre visage pour cela. Ce qui n'est pas impossible. Mais bon, aujourd'hui je ne suis plus sûr. Allons, capitaine. Vous en avez bénéficié autant que moi. Peut-être même plus. C'est pourquoi j'ai demandé à Orlaz de reprogrammer Kaiser, afin que ce vieux robot vous guide à l'endroit où j'ai découvert la plante, il y a si longtemps. Je me suis donné du mal pour garantir votre réussite, à Adrian et vous. Vous voyez bien les résultats. Je sais que le cabinet compte vous décorer, vous deux, quand tout ça sera fini. Cela ne vaut-il pas mieux que de languir dans l'anonymat à faire les basses besognes de l'avant-garde au milieu de nulle part ? Avec pour seul espoir la perspective d'avoir peut-être
peut-être un jour le droit d'acheter un taudis dans le puits. Une distinction à la hauteur du dévouement à l'Union dont vous avez fait preuve. Ils ne peuvent pas vous offrir un poste de commandement, car ce genre de responsabilité doit se mériter, mais le cabinet a accès à des ressources considérables. Le résultat vous plaira, j'en suis certain, et rien de tout cela ne serait arrivé sans mon intervention. Exactement. Et n'oublions pas l'objectif ultime auquel nous aspirons. L'éradication des orimorphes, la sauvegarde des connaissances sur la Lazarée. Ce que nous avons mis en œuvre sauvera des milliers de vies, voire des millions. Je ne demande que la protection d'une vie supplémentaire. La mienne. J'ai déjà fait parvenir au cabinet les preuves de l'implication d'Orlaz dans les attaques, en omettant ma participation. Tout ce que je demande, c'est que vous confirmiez auprès du cabinet. Dites-leur qu'Orlaz a agi seul. Après tout, j'ai encore une longue liste de menaces pour Lucé. Ça ne doit pas être la fin de nos bonnes œuvres. Je traque les criminels. J'espère qu'ils me laisseront. Vous pourriez m'aider, mais cela ne sera plus... Combien de gens avez-vous ? Aucune grande réalisation. Nous avons sacrifié quelques dizaines de... J'espère que... J'espère pour vous que vous n'oublierez pas la vue d'ensemble, capitaine. Si ça vous dérange pas, j'aimerais parler. Très bien, passez devant. J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous intéresser. Thank you.
Vous tombez à pic. Nous venons. De notre côté, j'ai de bonnes nouvelles. Cela signifie que nos deux... Vu les possibilités, j'ai déjà envoyé les données. Bon, et de votre côté, des indices sur les potentiels responsables des attaques? Orlaz. Ah oui. Il avait une obsession pour les technologies. Mais découvrir des années après... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste surpris d'apprendre que mon ancien collègue libère à présent des prédateurs extraterrestres sur des villes innocentes. Je veux juste être sûr qu'on tient le bon responsable. Vous confirmez? Je ne sais pas grand-chose sur Orlaz. Mais quelqu'un à l'esprit aussi perverti doit être traduit en justice et châtié pour ses crimes. C'est du beau travail. Bon, allez. Oh, capitaine, je suis... Bon, au moins il ne... Donc, j'imagine... C'est peut-être notre dernière... Les Acelles n'attaquent pas les humains. Mais ce sont des bêtes imposantes. Si vous décidez d'en asticoter un, ça risque de mal finir pour vous. Ils ont déjà été très répandus à une époque, quand Lucé les élevait en tant que bétail. Les introduire sur de nouveaux mondes ne comporte donc que peu de risques. Cela dit, compter sur eux pour l'élimination des orimorphes et des calovores ne sera pas une solution aussi efficace que le microbe. Vu ce que nous savons désormais sur la... Le microbe aura un effet bien plus immédiat. Si vous craignez que la Lazare soit utilisée à nouveau, alors il faut opter pour cette option. Le cabinet peut sécuriser la... Vous êtes parano. Vous... Je me fie à la science et aux chiffres. Donc la discussion n'est pas close. En effet... Le microbe n'a besoin que de quelques... Et les Acelles semblent encore... C'est une sacrée expérience. Dans ce cas, allons... Bon retour parmi nous. J'aurais préféré que nous nous rencontrions en d'autres circonstances. Mais selon le rapport d'Adrian et le second que je viens de recevoir, il semblerait que l'attaque des Orimorphes sur New Atlantis n'était en rien une coïncidence. Tout semble indiquer qu'il s'agit d'un coup monté. Est-ce la vérité? Bordel. Une attaque utilisant les orimorphes. Comment est-ce possible? Vous saurez tout à la fin de cette entrevue. Alors, le second rapport dit-il la vérité? Reginald Orlaz est-il à l'origine de ces attaques, capitaine? Très bien, mais faites. Reginald Orlaz était donc... Vous voulez que je... Eh bien, nous pensons que le rapport dit vrai, madame. Il semblerait que Reginald Orlaz soit coupable des attaques. Reginald Orlaz? Il me semblait qu'il avait été tué récemment.
Son corps a été retrouvé près d'Etherea. Le rapport semble dire que vous avez essayé de le ramener, capitaine. J'imagine que ça ne s'est pas passé comme prévu. Ah oui. On m'a parlé de votre mission et de votre donneur d'ordre. À cette époque, est-ce que vous soupçonniez Orlaz d'avoir participé aux attaques ? Il semblerait que vous ayez eu une longueur d'avance. Ce rapport contient des preuves tangibles de l'implication d'Orlaz dans les attaques, et de son utilisation de la Lazarée, une plante que le capitaine et le major Sanon ont découverte. C'est tout bonnement atroce. En effet. Il aurait été toutefois préférable qu'il réponde enfin de ses actes devant la justice de Lucé. Il semblerait qu'il faille vous féliciter tous deux d'avoir fait en sorte qu'il ne puisse plus nuire. Vous avez toute notre gratitude. Bien. Maintenant que nous avons trouvé le responsable, nous pouvons nous occuper des problèmes suivants. Nous devons notamment traiter les éléments que vous avez portés à notre connaissance. La Lazarée, les attaques, les Calovores. Vous avez tous les trois sauvé des milliers de vies. Mais il incombe à présent au cabinet de s'assurer qu'un tel malheur ne se reproduise plus. Par conséquent, le cabinet va sécuriser la Lazarée sur Londinion. Toutes les données et recherches en lien avec la plante seront classées secret défense, afin que personne d'autre n'apprenne la vérité à son sujet. Sage décision, Madame la Présidente. Eh bien, fort heureusement, l'hostilité naturelle de Londinion permet de dissuader. Mais nous nous assurerons également d'enrayer son... En parler à la Confédération Liberastra ? Pourquoi ça ? Pour qu'ils aient une nouvelle arme à utiliser contre... Je suis d'accord. J'ai du mal à comprendre. Assurément. Pour garantir la paix, entretenir des relations me paraît crucial. Voilà une proposition intéressante. Une main tendue qui prouverait définitivement que le cabinet n'est plus ce qu'il a été. Vous voulez que nous nous rapprochions de la Confédération en leur révélant des secrets d'État ? Non. Je veux leur révéler nos véritables intentions, à savoir que cette plante ne servira plus jamais d'arme. Cela me semble digne d'intérêt, chef Kulkarni. Très bien. Nous impliquerons la Confédération dans cette entreprise. Merci pour votre suggestion, capitaine. Bien. Passons au dernier point du jour. Le cabinet a accepté d'implémenter un plan pour éradiquer la présence des orimorphes et des calovores sur tous les mondes humains. Nous avons déjà commencé à mettre en œuvre des mesures pour passer les ports et les colonies de Lucé au peigne fin à la recherche de nids. Mais ce n'est qu'une solution partielle. C'est un projet de longue haleine que nous entreprenons là. Notre première étape doit être de décider exactement comment nous allons nous y prendre. Madame la Présidente, ce microbe représente un risque bien trop grand. Utiliser les acelles me semble l'option la plus sûre. Si on n'y connaît rien à la biologie, certes. Mais la technologie utilisée pour le microbe est scientifiquement prouvée, Madame la Présidente. Ce n'est pas dangereux. Utiliser la première partie, j'avais fait le microbe. Là, je vais faire le. Est la solution la plus rapide pour protéger l'humanité. Ça sera mieux. Et si les résultats sont rapides, c'est qu'ils sont forcément bons, pas vrai ? Comme vous le voyez, le débat reste ouvert au sein du cabinet. Nous espérions que votre groupe puisse nous recommander une approche. Major ? Nous avons eu le même débat dans notre groupe, mais le capitaine doit encore faire son choix. Je vois. Capitaine, je sais que ce n'est pas votre domaine d'expertise, mais nous souhaiterions connaître votre avis sur le sujet. Allez-y, je vous écoute. Je peux prendre la tête de ce groupe. Bien qu'intimidants, les Acelles restent dociles tant qu'on ne les provoque pas. Voyons-les plus comme des scanners mobiles surdimensionnés que des prédateurs sanguinaires. Toutes les méthodes proposées demanderont des efforts sur le long terme, mais les Acelles sont la solution la plus lente, le temps de les élever et de les déployer. Nous ferons tout notre possible pour accélérer ce processus, y compris la réactivation de nos technologies de clonage abandonnées. Mais si nous optons pour cette méthode, nous devrons aller au rythme d'un animal géant, qui n'a rien de rapide. Elles sont proches de zéro. Mais elles existent tout de même. Les chances qu'un vaisseau atterrisse sur votre tête alors que vous êtes assis ici ne sont pas nulles. Et pourtant, vous êtes présent.
Personnellement, la mutation ne me fait pas peur. Je crains plutôt que les oreilles. Ce que nous devrions faire, selon moi. Nous ne pourrons rien faire sans elle. Tout à fait, madame. Le bureau des affaires internes. Nous les informons des risques. La réception du proc. La peur d'attaque soudaine. Nous nous attendons. Nous répartirons les tâches entre les diverses... Les services de recherche, le chef Yacine et les affaires interstellaires. La plupart des actions sur le terrain. Très bien. Je crois qu'il en va de notre responsable. Il nous incombe de... Je suis on ne peut plus d'accord. Inutile de nous adonner à des expériences imprévisibles. Espérons qu'il soit maintenu sous contrôle. C'est précisément ce que nous prévoyons de faire, madame. Silence, s'il vous plaît. Major Sanon, Docteur Walker, qu'en pensez-vous? Nous nous en remettons à la décision du capitaine. Dans ce cas, problème réglé. Nous allons lancer le protocole sur le champ. Aujourd'hui marque le premier jour du département de gestion des orimorphes de l'Union coloniale. Ce qui fait de vous trois les membres fondateurs du DGH. Votre groupe mérite toute la gratitude du cabinet. Aujourd'hui, nous accueillons trois nouveaux citoyens de classe 1 dans nos rangs. Classe 1? Tous les trois? Vous êtes sérieux? Ce qu'il essaie de dire, c'est... Merci, madame. Ah, ouais. Merci, madame. Vous l'avez mérité. Bon, nous avons beaucoup... Major Sanon, Docteur Wood. Ce serait un honneur, madame. Et en tant que... Parlez à votre commandant. Il devrait être en... Au nom de toute l'Union, la séance est levée. Au fait, capitaine, le sergent Yumi vous cherche. Je crois qu'il a encore du travail pour vous. Vous avez fait part de votre nouveau statut. Félicitations pour votre passage en classe 1. Ça vous dérange pas, j'aimerais parler à l'amiral Logan au plus vite. Vous faites l'aumône, c'est ça? Les bureaux de l'amiral Logan devraient pas être très loin. Allons-y. Pardon, les Kalovor se sont transformés en quoi? Des orimorphes. Des créatures géantes recouvertes d'une carapace. Tous les nouveaux protocoles de scan. Sous notre surveillance, aucune Kalovor n'entrera dans cette ville. Compris? Compris. Très bien. Au travail. On forme désormais la première ligne de défense de New Atlantis contre les Kalovor. Si on en trouve sur votre vaisseau, on les grille. Nous allons vous scanner lorsque vous en trouvez en ville. Adressez-vous à Royce, le copain.
Comment avance l'enquête? Vous avez retrouvé le suspect? À la prochaine. Arrêtez-vous! Je peux vous aider? On demande à tout le monde de s'occuper des Calovores à bord de leur vaisseau. C'est vous qui êtes en charge de la livraison? Je vous attendais. Le paiement de Star Parcel est là. Sécurité de Liberastra, arrête. Au nom de la Confédération Liberastra. Sage décision. Maintenant, venez avec nous. On prend tout objet de contrebande ou de propriété volée et vous pourrez partir. C'est quoi ce bordel? Comment allez-vous aujourd'hui? On vous a à l'œil, alors pas de bêtises. La Confédération Liberastra a la réputation d'être un peu anarchique. C'est totalement faux. J'ai jamais vu quelqu'un dormir autant. Tant que vous n'enfreignez pas la loi, tout ira bien. Personne ici pour travail, le maire Cartwright aura peut-être quelque chose. Ou il vous enverra dans la bonne direction.
voyager beaucoup dans l'espace. Rendez-nous service à tous. Ne rejoignez jamais l'espace. L'ivresse sur la voie publique est notre délire. Vous avez entendu parler du refuge Helios ? C'est censé être un centre de réhabilitation babacool pour criminels construit sur X2. Je n'en attends rien, personnellement. Si on m'arrête encore une fois pour état d'ivresse... J'espère que vous n'êtes pas un drôle. Prenez tout ce qu'il vous faut pour le... À plus tard. On vous a à l'œil, alors pas de bêtises. La Confédération Liberastra a la réputation d'être un peu anarchique. Non, on va pas... On va pas rester là sur 7 ans, hein. On va se faire chier un peu, là. Oh. Allez. Oula. Ah bah voilà. Au moins en Algérie, par A plus B. Voilà, on a la réponse. C'est la fin. Il fallait arrêter là. Sinon, ça va pas. Donc bah sur ce, je vous laisse. Hein. Bonne soirée. Ciao, ciao, bye bye.